Nous allons voir la routine d'échauffement. On commence par un déverrouillage articulaire. Pour débuter, nous allons regarder en haut puis en bas pour mobiliser nos cervicales. Faites environ 10 montées descentes. Ensuite, regardez de droite à gauche, comme si vous faisiez une onde à tête. Même chose, environ 10 mouvements. Ensuite, rapprochez votre oreille de votre épaule le plus possible, sans monter l'épaule. Idem, 10 de chaque côté. Nous passons à l'articulation des épaules. Vous allez enrouler vos épaules en arrière. Faites des cercles, allez bien vers le haut, vers l'arrière, vers le bas, vers l'avant. Changez de sens après environ 10 mouvements. Les coudes, vous pouvez accrochez vos mains ensemble, poussez vos mains le plus loin possible de vous pour les rapprocher de votre sternum. Autre façon de faire, vous gardez les bras tendus, une main sur le coude, vous passez un coup au-dessus, un coup au-dessous. Et vous changez, bien évidemment. Ensuite, fléchissez légèrement les genoux. Surtout, gardez bien votre bassin fixe. Vos genoux et vos hanches ne doivent pas bouger. Vous allez tourner les épaules de droite à gauche. Vous pouvez croiser les bras pour vous aider. Essayez de tourner votre tête en même temps que vos épaules. Ensuite, vous allez monter les genoux. Aller plus ou moins vite en fonction de vos capacités. Après quelques mouvements, on va faire des talons fesses. On essaye de rapprocher du coup les talons des fesses. Continuez sur talons pointe, vous montez sur la pointe des pieds puis sur les talons. N'hésitez pas à amener une chaise près de vous pour vous tenir si c'est compliqué ou à vous accrocher à un. Alors, vous pouvez faire poser la pointe de pied au sol, tourner les talons. Dans un sens et puis dans l'autre. Sans oublier ensuite de changer de pied. Le déverrouillage est ainsi terminé. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter la routine d'échauffement cardio. C'est parti, on va commencer par marcher sur place. Et pour la variable plus, vous allez suivre les filles.
Bonne.